Yo tout le monde et bienvenue dans un nouveau Rewind. Aujourd'hui de l'amour, du karma et du gros gaming. Wow. Eh hey, he's be... Ouais, Ezekiel disait, hein. On enchaîne avec Nyama qui essaye de survivre à une alerte nucléaire, mais qui semble avoir oublié quelque chose. J'ai pas pris ma femme. J'ai pas pris ma femme. Ma femme. Je veux faire l'amour. Umbri, rassure-moi, tu n'oublies pas ta waifu, toi. Et je ferai ce qui est de mon pouvoir pour avoir un avenir heureux avec elle. Et on va niquer Monica, on va lui faire du mal à Monica. Apparemment, selon Miona, on ne dirait pas toute la vérité par rapport au nombre de personnes qui sont vivantes sur cette planète. Même si tout le monde dans le monde donnait un bit, bah on n'arriverait pas aux 32 millions, parce qu'on n'est que 7 millions sur Terre. Donc même si tout le monde donnait un bit dans le monde, bah genre on n'arriverait pas aux 32 millions, quoi. C'est ouf. Ouais, pas convaincu par cette info, Miona. Ou alors c'est pas stress. Non mais vous savez quoi? Je suis très calme dans la vie. J'ai absolument pas de problème de stress. Non, je vois pas de quoi tu parles, Kachan. On part ensuite sur du Among Us chez Pauline et je savais pas que les skins pouvaient influencer sur la game. Pauline aussi, elle se regarde, elle fronce les sourcils. Mais toi aussi, tu fronces les sourcils. Oui, mais moi je suis en colère. Bah moi aussi, je suis en colère. Je trouve que c'est révoltant tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Plonk! Arpurine vient de kill Plonk devant moi. Je voulais appuyer sur sa botte, j'ai kill à la place, la bêta. Ouais, pas sûr qu'être fâché aurait permis de te sauver, Plonk. Rappelez-vous que le karma finira toujours, pas vous rattraper un jour ou l'autre. Hop là, elle est pour toi, l'étoile. Allez, bye. Ah là là, c'est rigolo. De retour sur Inoxia, le serveur Minecraft de Ryu. Et je trouve qu'on ne peut pas avoir une meilleure description de couteau suisse. Une cabane. Tu verras la bois, mienne, tu verras qu'elle n'est pas vraiment immense, quoi. Ouais, moi, la mienne est toute petite, oui. Mais j'ai un truc qui fait tout. Pardon? Qu'on me clip ça, s'il vous plaît, parce que. Non. Voilà, oui, elle est toute petite. On parlait bien de couteau suisse, hein. Mon duo favori est de retour sur Resident Evil et ça donne lieu à des discussions très. Vous verrez. Ah voilà, il bosse dedans, dessus, dessous. Comment ça, il se met sur l'avion? Bah je pense. C'est pas comme ça qu'on. Non mais il voyage. Il voyage pas comme ça, il répare, je pense. Il répare l'avion pendant qu'il vole. Mais pas pendant qu'il. Il est con, quoi? Non! Pas pendant qu'il vole! Pendant qu'il est au sol! Mais comment? À un moment, l'avion il est pas au sol, il est en l'air, l'avion! Mais à un moment, l'avion il se pose! Dans l'aéroport! Et sous ma gueule, ça aussi! Et sous ma gueule, elle passe pour une conne! Et sous ma gueule! C'est pas possible d'être aussi con! On se laisse sur un bon événement car oui, c'est l'anniversaire de Kiki Chiwi. A la prochaine et bon anniversaire Kiki. Joyeux anniversaire! C'est anniversaire à Kiki aujourd'hui? C'est anniversaire à Kiki? C'est vraiment ou pas? Et joyeux anniversaire Kiki! Même si elle m'entendra jamais. Bon anniversaire Kiki. Ah mais non, mais tous les jours, mais non, c'est pas anniversaire de Kiki du coup. Vous me trollez! Vous me trollez tous les jours, mais y a pas de tous les jours. Y a pas à avoir son anniversaire tous les jours. Vous m'avez trollé.